sa frère Lati Polo Pembe Moko. Dieu pose Moko. Toutes choses. Toi qui
affirmer dans Jérémie 33:1 invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connaissais pas. Père éternel, nous voici ici rassemblés. Suivant tes oracles, nous invoquons la présence de tes anges pour nous instruire, pour nous révéler, afin que nous ne soyons plus victimes de l'ignorance. Père éternel, dans le livre d'Osée, vous gémissez en disant, mon père périt par manque de connaissance. Père, à ces jours, nous voulons que vous soyez notre professeur et notre enseignant. Tenez la maîtrise du rayonnement des verbes. Soyez les guides des intercèdes de nos intelligences. Parlez-nous, inspire-nous, active en nous cette soif de connaître, afin que nous puissions suivre ces quatre étapes. Vouloir, savoir, pouvoir et avoir, afin que notre volonté nous pousse à connaître le savoir divin, afin que notre savoir puisse nous attirer du pouvoir, c'est-à-dire des matérialisations de la théorie, afin que notre pouvoir nous amène à voir, c'est-à-dire la maîtrise de nos quatre éléments et ainsi la manipulation des anges, des éléments pauvres, des démons et de la nature tout entière. Car un fils de Dieu est un Dieu, un fils du roi est un prince et une princesse, Père éternel. Que devant nous se tienne l'archange Raphaël pour guérir notre ignorance. Et derrière nous, c'était l'archange Gabriel pour nous révéler, comme il a révélé à Mahomet, comme il a révélé à Bouddha, comme il a révélé à Marie. À notre droite, installe l'archange Michael pour nous défendre contre les scories, contre les forces des ténèbres, contre les esprits méchants qui se vadent dans les lieux célestes. À notre gauche, installe l'ange Uriel pour maintenir l'effet divin en nous. Au nom puissant de Dieu, Yahweh Shammah. Amen. Ma fin dernière de Jésus-Christ. Expliquez Mini ou Kangaki. Ma leçon, il fait que les yeux et le regard de la situation, à la situation, comment il va de travailler, à part de celui d'aller au devant, à la troisième paix, il faut le faire pour la délivrer, chaque fois pour moi. Coco. L'histoire, mais quand on est dans la maman, je suis là, 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 je suis là,
D'accord. Dans le passé, je veux que mystère bien spirituel. Manani, Bamimi, les humains, et où ils ont acquis la fois passée. Manani, Bamimi, dépôt à travail. Manani, Bamimi, les humains. La relation entre l'homme, la nature et les extraterrestres ainsi que les anges. Mais avant de nous passer à l'étape suivante, frère, capitaine, quel est le nom, c'est Capitaine Roger. Comme ça, au profit pour aller passer notre témoignage. Maintenant, nous en compte. Na vie, on a 11 mois.
très humain. Mais pour l'autre, à moi, voici, il y a l'autre qui se lève pour un message. Il y a des gens qui font, donc tu vois la voiture. Pour eux, à être au début de la situation, à nous. La même chose, pour les amis de la vie, nous faisons la séparation de l'ennemi. Parce que tout ça, il est. Donc, pour avoir prononcé des élèves simplement, nous avons aussi les athées pour amour et talent qui m'a passé. Nous avons tout ça au cadre à Portugal. C'était ce qui m'a mis à tout le monde, pour dans tout le monde. Là, il était parti à l'aide de l'eau, l'eau lui vous doit couper, et quand il est venu à venir, et c'est ce qui m'a dit, moi, tout le monde, et comme il a fait 5 grands personnels, moi, il a été dans des athées, et qui aurait qu'à faire, nous avons commencé. Voilà, tout le monde a assez de l'âge. Mais on traversait ces jeux du monde difficiles. Amen. Merci. 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 Et c'est que tu conviens d'inviter le principe où on va faire 5 ans. Par le bas qui, dans nos conférences, on est ici à la CAO et à monastère, nous avons un cahier d'expérience et où on peut y aller sans sacrifice. Alors, pour nous dire qu'il faut y avoir dire si j'ai grâce à même qui c'était, même à temps là, nous avons dit initiative au coquille ou passer 81 jours. Pendant 81 jours, on a quoi aller passer rapporter. Alors, ceux qui ont réussi, quoi aller ici, il y a 81 jours. Jouana, si na ndoto ou kouete ou sanefo kouete, et c'est que le monde y avait ce qui va dire, peso, cadeau, soit il y a révélation, soit il y a grâce, mon corps donné à nos frères, tout ça qui va ainsi pour nous. Alors, ceci n'est pas le souverain qui est non, mais comment la cour, quand on en a un ami, c'est une femme. Parce que nous avons bien rapidement acquis
ni Isaac yalobela ki ngana zanzambe ya Abraham tawa bimeni Moïse lolobine na zanzambe ya Abraham Isaac na Jacob ba koko na yu donc abeo mjale vali mabe moko te te yu si abeo enke na vlo ane na bali priya na yu te ki yu priye o koti sa osi ba koko no na kati parce que quelqu'un de bateau ou pas koufa ce qui va se lever spirituellement ba komaka guillemé ba ange gardien d'un bisou des fois aussi à l'heure de ma vie va aller contre un enfant et après c'est pas pérez n'a qu'oui si plus comme là parce que ma vie peut coïder bisou alors dans les temps sous naïo invoque moi je te répondrai avant d'avoir je vois mon amour toujours na souriaka et c'est même un jour où on a la boutou qui ne vaincra jamais la nuit ne vaincra jamais le jour où il va avoir gagné dans le monde la boutou t'es moyen gagné mon amour pour la balle et détruire vie na yo première chose bah qu'on détruire n'a le bandeau de na yo bah qu'on détruire n'a le bandeau de na yo ce qui mène au aller réussir quoi aller bondir sa innovation là où on a pas notre thé et la ligne difficile au réussir dans le monde matériel il y a moins dans le monde bas des mots bas dans le bâtiment bobimbo yo bas sur la cabane pour la barre des mises à barre d'armes à bisou il y a moins d'exercice à 81 jours dans la principale et c'est les deux comme nous sommes au monde pour naïve le cerveau direct que nous soyons un rêve prophétique. Frère Alain, à l'autre, que notre bâtisse fonctionne. Si madame Alain a mon sou, maman naïve, maman aïe a pécié grave. Textuellement, fonction et ma vie paie obligatoirement grade paie dès que maman est en pèse qui courir donc félicitations tika tango kwa lekende ibosono archange Raphaël a zalawana toujours pour la kwa enseigner tika na simano archange Gabriel a zalawana toujours pour la kwa révéler tika na droite à l'archange Michael a protégé nous et la gauche nous à l'archange Gabriel a protégé donc il y a un kende ce qui va les baisser dans la rangée de l'Okoya, ça fait les lieux prières en bénédiction, comme ça, okay. Déjà, ça n'a qu'il convient d'aller dans la grade à la capitaine. La grade à la capitaine a fait depuis 2006 jusqu'à 11 ans. 11 ans. Alors, si quand même, ça n'a été, chaque fois, grade et coude, comme parce que grade et coude, c'est à 3 ans. Alors, si ma ya chaque 3 ans, dame ya ma diso grade, jour wali, comme en général, salaire nous ya 4 mois n'y en so, nazana, na bon mwete, yo koluka, soit mouti mouka famille, nan ou mbe se ye salaire nous ya 3 ans. Amen. Amen. Omoni? Oui. Oui, la grade générale, ma zote ki a mouti na kini na kare, mais, ma pesa ki na dictature ya, il y a camion moko ya kimba parce que la grade générale la petite camion ya kimba mama mais la pour moi on est à voir moi là ça na ou il faut que je me rende grade bimaka mes conditions mon corps parce que ceux qui ont besoin de passer les logos alors passer les logos soit pas fumer les logos et c'est une moi qui la mon corps est dans la wana pour naïr activer mon esprit jour au bimana moi c'est du bandam y a pas moi sinon y a un dako c'est le monde de l'esprit alors les ni oyo qui c'est la mène de quoi les mécanique au commandant la fonction sous soupe au commandant la grande sous soupe donc le seigneur à la fidèle 6 jours au monde au bimi à grade générale.
simple kake kila wana soki ubande ni kake kila wana kumona sina suka oyo nyonso elobami na monda de esprit eyokami mpe ekanga. Amen. Alors toki sikoyo na enseignement ya lelo na enseignement ya lelo nous allons savoir toujours la souvenirka entre moto azo sambi na moto na moto azali koyoka soit na nani wa sala kamingati ezali moto wa sala kamingati ezali moto azali koyoka pi kwa li sana pratika azali na pouvoir ya kosala miracle. Ils ont dit pasteur Azali, Kosambe, et la réalité. Ils ont prophète Azali, Kosambe, et la réalité. Mais ils ont eu beaucoup, commis ça la miracle. Moutou Azali, qu'on a l'été à eux, Moutou Azali, qu'on a guidé eux, y'a eu un an à demain. Ils ont dit aux amis, na pétrole, na katia, mouté manayo. Ce qu'on fouille, mouté manayo, donc il va voir qui a demain. C'est-à-dire verbe, c'est-à-dire une déclaration ou quoi les allait incendier, c'est-à-dire miracle indien qu'on s'est manifesté. Mais ceux qui ont leur na katnayo, on a dit na moi déchet à nous, soit on a dit na courage à confirmer enseignement, on a dit quoi les on a pratiqué. Même à ta Jésus, mon roi, il faut la croire enseigner, pour la croire descendre, il est là, il comment la situation est cool, j'en étais. Tandis que, et nous, pour moi, côté le Kinzambe na Makasi, ni le Kinzambe na Makasi, et nous, côté le Bénin, c'est un gars na Kou, Pesayo. Mais des bisous, Batou, tout limite à force, y'en zambé. Nzambo, et nous, côté le Kiyé na Makasi, Azali Koloté, Azali Rakati na Yu, ni le Faragaki ou bouger. On imite pour vous bouger. Mbinye salaga keno ola lula muka. Oyebite mbinye salaga keno ola lula muka. D'abord, bouge liboko. Mekana mbuko bouge liboko. Dis-moi, effort ninyo zani kwa desa la pour nous bouger. D'abord, ce qui vous comprenez, pourquoi zani kwa bouger un jour, nani kwa desa la niya zani kwa de bouger muke. Ah, comment zani kwa de bouger muke? En réalité, nous sommes en abusé zani Caracas oyo divin. Il faut dire nakati. Mais ils ont une vraie moins de pétrole. Ceux qui ont moins de pétrole, vitre dans la salité. Ils ont la essence, c'est-à-dire vie à prière dans la ouéza ma casse. C'est-à-dire dire il y a des années à confiance et foi naïve, ils ont dit ma casse. Mais comme vitre les a propreté, ils ont dit ça la nini. Lumière moyen qui se manifeste à te. Miracle nous liés à l'extérieur. Miracle nous ici et salement dans vos cas-là, mais nous étions à l'intérieur. Mais nous n'avons pas de moins de pétrole et de l'ingénie. Justement, et c'est le caca pour aller purifier vitre. Voilà alors pourquoi leur les grands maîtres spirituels il y a pas temps passé ceux qui allaient y imposer mon régime mon corps pendant la guerre un problème il y a quoi imposer yo bas principaux qui vont les pousser yo la purification pourquoi quelque soit leur les salaires yo bas prière négligée ceux qui vitre na yo et la propreté. Même à temps, vous avez la foi, miracle, on a oublié d'aller externe. Et quoi, les alakata interne. Alors, Christ, le Bible, cherchez d'abord le royaume des cieux. Nous, ce qu'on a connu, Matabisi. Royaume des cieux, on est là, qui suit, le royaume des cieux, on est là, qui suit. Premièrement, le Canada, mon lit, mon aïe, c'est développé. Ce qui mon lit, mon aïe, bani, qu'on s'est développé. Mongo, Libala, chance, ba voyage, nyoswa nezali ba matabis, mbongo za papi, grade ezali temporel. Alors, tout nezali facile pour na wali, nyoswa ngo, soki moutoua, komi kwa li, sa le fort, kwa le sacrifier,
moi ba habitude mon corps na vie na yi vu sur mon yoso e kama kama tu tamula yi ya mwana pe comme la qui des mots pour la grâce au mazali konga et bima di bandati wane za ki si yo ndo le ki nango le lote alors les noms ni de ko lo bena premièrement to ko lo bena to ko souligner bo nyoso to yo ba na ba histoire mo ki ne sale ma bo ki ne sale ma bo ezali vrai vrai penzate Moki ne sale ma na 6 jours te. Et ben il y a chiffre mon ko symbolique. Chiffre 6 na numérologie et ali chiffre incomplet. Et ali chiffre ya création. Et ali chiffre et ali ko na ki sa matérialisation, c'est-à-dire chiffre ya création to chiffre ya moto. Mais monde seulement dans des milliards d'années lumière. Monde seulement dans un mokolo moko kakate. Alors, na go sala lecture yo si manango na ko meka un peu koyoka ba question na bino. Pendant que zali koyoka, oyoka sika moko eleki o likola matoi o komi question na papier, d'accord. Alors, on na go tanga ezali et expérience ya voyage astral à maître Jean-Pierre T. Et ali découvert découvert qui ba écrit à peuple moko ancien monde ba beni bango ba sumérien alors ba sumérien bango bazala ki ba les civilisations moko très même il y a pas même ba pyramide bango ba ici dagana planète Terre alors nous bazala ki na ba contact na ba ange bazala ki na ba contact na ba extraterrestre alors récemment ba sali ba recherche alors ba trouvé ba écrit na bango alors résumé ya ba écrit na bango ya wana na ko tanga mais des sikoyo makambo na ko répondre des sikoyo quoi les ala na na rapport na ba expérience centrale aujourd'hui na kenaki na posa ki amwe rebetra teres wana na makambo awa ba komite to bandangano na makambo awa ba komi nini l'univers n'a pas toujours été créé tel que nous le connaissons aujourd'hui c'est ce que dit mon monde asimba tena azali otanga monde la mwanai L'univers n'a pas toujours été créé tel que nous le connaissons aujourd'hui. À l'origine, il y avait l'œuf cosmique. Mais Bandeli, il y a une maquille cosmique. Un concentré de masse atomique qui explosa. Après avoir atteint la limite de la densité, il y a 15 milliards d'années, et projeta ses fragments à travers l'espace. Certains de ces fragments sont restés incandescentes et formaient les étoiles. D'autres se sont refroidis et ont formé des éclats. Voyageant dans l'espace, on finit par former les nombres inimaginables. 10 puissance, 11 galaxies qui forment l'univers. L'univers est si gigantesque que notre galaxie est la voie lactée déjà immense, puisqu'elle contient 234 milliards de systèmes solaires en plus du nôtre, mais qu'une goutte d'eau dans cet énorme océan. Il y a environ 5 milliards d'années, dans un agglomérat de météorites errantes dans l'espace,
La présence des radiations ultraviolettes permet l'apparition des glucides, éléments chimiques, molécules essentielles pour les fonctions reproductives. Quand ces météorites et leurs glucides entrent en collision avec des planètes ou des carbones et nos liquides sont déjà présents, la vie apparaît. La vie apparaît. C'est ainsi que des formes de vie naissent sur certaines planètes de la Voie lactée et probablement sur des domaines d'innombrables planètes et d'autres galaxies. Il y a environ 1 million d'années, la Voie lactée s'anime des êtres semblables aux humains, mais mesurant deux fois leur taille. Les béliquiers Anunnaki, qui prédominent sur une planète orbitant autour de l'étoile Némésis, acquièrent une technologie si avancée qu'ils peuvent explorer l'espace. Ils parviennent même à pénétrer le système solaire, le nôtre, colonisant Mars et Nibiru pour en faire des stations spatiales. Nibiru est une planète qui met 3600 ans pour effectuer son parcours autour du Soleil. Au commencement, lorsqu'il fut attiré par des forces gravitationnelles de notre système solaire, Nibiru entra en collision avec la planète Tama et la cassant en deux, générant la Terre et la Lune. La Terre et la Lune. En heure et mes excuses. Va de là. C'est bon. Et Penny? Excusez. Son orbite. Nibiru est une planète qui met 3600 ans pour effectuer son parcours autour du Soleil. Au commencement, lorsqu'elle fut attirée par ses forces gravitationnelles de notre système solaire, Nibiru entra en collision avec la planète Tama. Nibiru est tout à la planète Tama. P est cassé planète Tama en deux. Deuxième partie est bimisiline, deuxième partie est bimisitaire. Son orbite s'est maintenant stabilisée, mais dans le passé, à chaque fois que Nibiru s'approchait de la Terre, elle causait un désastre. Ces passages successifs provoquèrent les glaciations, fossilisations des forêts entières et la disparition des animaux énormes tels que les dinosaures et les dragons. Il y a environ 250 000 ans, à cause de son orbite qui l'éloigne du Soleil pendant longtemps, Nibiru gèle, comme la glace. Pour la réchauffer, les colonisateurs Anunnaki créent un effet en utilisant l'uranium, l'hélium et l'or sur leur atmosphère pour réchauffer leur planète. Nibiru reste cependant trop pauvre en or. L'occasion pour en détruire de Nibiru et de se réfugier sur la Terre. Découvert qu'il y a de l'or en abondance sur cette planète. Mais à cette époque, déjà la Terre fut peuplée par les Australopithèques, des êtres qui mentalement fut moins évolués.
L'inscription suivante s'est trouvée sur une tablette sumérienne, en témoin. Sur la grande montagne de la planète Mars, il est visqué avec les rayons l'image d'Alalou. D'Alalou qui est un roi, que son image regarde pour toujours vers Nibiru, où il a régné, et vers Nibiru, où il a découvert l'or. Sur Mars, dans la zone de Sidonia, il y a en effet une formation à un visage humain. Les Sumériens sont fiables. Il y a 5000 ans, déjà les Sumériens représentaient déjà toutes les planètes de notre système solaire, y compris l'Uranus, Neptune et Pluton, qui pourtant furent découvertes il y a peu de temps. Ce n'est pas un hasard si les premiers hommes insistaient sur les disques qui accompagnaient en 1977 les Américains voyageurs lancés dans l'espace pour contacter d'éventuelles civilisations. Avant même, d'abord en 1977, les Américains déjà constatent qu'ils ont recherché la barre, ils ont déjà écrit mon cours, déjà kolobena ba planète comme ça dit organisé wana nanu ba mindele nanu ba découvrir planète Uranus et déjà ba sumérien déjà ba tikaka ba document pour na kolobela ba planète kolobela ba air kolobela oyo biloko oyo mindele ba découvrir lelo na oyo nanu ba découvrir pe donc qui en est pas allé à la recherche, n'a pas moins, ils allaient fiables. Puis on va donc continuer. Quand le nouveau roi de Nibiru, à nous, apprend qu'il y a de l'or sur la terre, roi Nibiru, roi de la planète Nibiru, à nous, planète est comme chauffer. Mais pour n'a pas déchauffé, planète n'a pas moins, il y a qui or, n'a pas iranium. Mais or, on a passé les recherches, on a dit or, on a dit que la planète Terre est belle. Alors, tandis que la planète en moi, tout va aller mentalement évoluer, tout va aller dans un niveau de caca, il y a un peu de caca, il y a un peu de vraiment, parce que mutu forme née physique et change à caprice, mais aussi forme née mentale les années qu'on allait changer. Bah l'idée est longue mutu aussi et c'est mettre plus à cas tous les change à cas forme plus niveau et intelligence dans les plus les années qu'on m'attend. Bon, moi les années entre parenthèses. Alors les bateaux, parce que alors la planète Terre, parce qu'il est moins évolué déjà. Technologie à la planète, le roi à nous apprend qu'il y a de l'or sur la terre. Il prend la tête d'une expédition accompagnée par ses deux fils, Enki et Anlil. Par d'autres membres de la famille royale et plusieurs centaines de scientifiques et militaires. Voilà, tous les planètes sont bien déjà développées, mais sont tous les qui nous développent. Mais voilà, tous les qui nous développent, les scientifiques, les recherches, les armées, déjà, on a déjà la guerre galactique, les Zalaki, l'évolution, les Zalaki. Alors, roi à nous, à Zubananemi Balé, naba scientifique, naba militaire.
parce que bah éviter planète sur tous les quoi des kinde yasika peut-être des trucs qui quoi des position parce que biso to kinde impunda tous on va orouer les na planète ça bango wana na nukutu masola bible na nui bandité alors par ses deux fils inquis et en île par d'autres membres de famille royale et plusieurs centaines de scientifiques et militaires. À nous débarquent au site de la maison, de la Mésopotamie. Il établit Eridu, qui veut dire maison loin de la maison. Basali base militaire n'a pas côté la Mésopotamie. Les tablettes sumériennes citent les Anunnaki comme étant ceux qui sont venus des cieux sur terre. La bataille sur ma découverte, ma dessinée, ma Anunnaki, on dirait ma ange, ma outil de colon, et ça va ange. Même à taper la Bible, les présents, c'est bien pour aller. Quand ça va ange, ce sont des Anunnaki. Je vais expliquer. Elle raconte que Anu confie à Alalu sur Mars et que les Anunnaki commencent la construction des établissements nécessaires à la mission. Alalu a commencé pour aller Tonga, bâtiment nécessaire pour la mission communication et dans la capacité or basali ba laboratoire na bango parmi ba laboratoire wana ba pyramide na ba tel na ba bilongo misusu to yebi akalakala wana alors ezaki comme ba laboratoire na ba kontoro ba banaki wa desala ba recherche na bango pyramide ezalaki construit na na bana Israël était que non na bumbu ndé alors batumisa la bango ba pyramide. Pyramide ezala ki construit na ba extra pour na ko landela suivi à ba recherche na ba travaux na bango concernant or. Ayant besoin d'eau et de glucides, ils créèrent les dents. Comme bazalaki na mposo ya mayi na ba biloko misusu produit chimique ya malonga awa na planète Terre quelque part batongi bilanga moko boye babengi yango Eden ezali aussi station spatiale oyo babengi yango Eden. Eden wana nde pona wana zolo bela Bible tete na ndenge mwa diposer na question wala mais verso yoka ou le disque est dans l'esco vérité. Ah, c'est quoi le disque est dans l'inde ma corde? C'est dans le mythe que ça nous coûte. Il est dans l'inde ma corde. Alors, va créer jardin d'Eden. Oyo, et Zala qui aussi, mon roi, il y a ma ressource dans ma mot. Il crée l'Eden. Comme il y a un pi. Il y a un pi en mot, il y a un pi na ya mwenye mbengu mwisho mungi mwisho kundi mwenye besta tere sebele mwisho mwisho mbengi ya kwa mbali mata mwa wote ya wana kisa mwisho zwao Eden. Eden, champ d'agriculture et d'élevage. Bon, on appelle la Bible que non, jardin d'Eden aussi, ils ont dit, ils ont dit, na banyama, na banzete. Bon, on a dit, on a créé Eden. Mais Eden, on a, souka souka bako, tsaka batu moko, bango moko bako modifiaka. Eden, on a dit, on a dit, on a dit, selon science. Donc, le nom, tout ce que je veux dire, je religion, il y a foi témoignée selon science normale. D'accord. Alors, Eden, champ d'agriculture et d'élevage. Puis, en explorant la terre entière, il découvre d'abondants gisements d'or au sud d'Afrique.
wana na ba se tanela ni kote kuna mezo pota mi kuna na bazie si mona ba comprendre que non oh eza pe watina afrik so ni wotani na ba bible de recherche kala ba tsaka ede eza ki kote kuna bazie kuna ba palestine kuna alors c'est quoi ba comprendre que non na afrik bazona or rebelle alors quand bazona or rebelle satisfait les rois à nous répare et laisse les commandements de la mission à Enlil, son héritier. Tandis que Anki dirige les mines d'or dans l'actuel Zimbabwe. Mais les explorateurs Anunnaki utilisés pour la directage des excavations d'or refusent bientôt de travailler. Alors, employé à Anunnaki, Oyo, Bayaki na Bamon, Kaka Bamon, Bamon, c'est un grand intérêt pour la barre de Misanaba. Or, donc, les mines à Bamon, Bamisala, on est qui ma casse, donc, Babaye na Bamon, Baboyko, Salam, Salam, non, c'est trop. Mais on réserve des mots, non, tout le monde avait insulté. Dans la Bible écrite, des millénaires plus tard, et qui prend les écrits sumériens, les Anunnaki sont appelés les Elohim. Ben, Anunnaki va bien parler de Elohim, l'homme que la Bible dit. Créons l'homme à notre image, l'homme que parle dans la Bible dit. Elohim. Racine, il veut dire plaisir, Elo veut dire Dieu, elle veut dire Dieu. Alors, Moana Ezali attribué na ces races des extraterrestres qui sont des Anunnaki. Et cette rébellion est représentée par des anges désobéissants. Quelque part, la Bible Bazali Kolomila disons que non, Ezali n'a pas ange moko Bazali qui désobéissant, Babouaka qui bango le colo, Babeng bango diable, Babeng bango Satan. Ces anges désobéissant aux ordres de Dieu en ces temps-là, donc, c'est pas ça. Dans la Bible écrite des millénaires plus tard et qui reprend les écrits sumériens, les Anunnaki sont appelés les Elohim. Et cette rébellion est représentée par des anges désobéissants aux ordres de Dieu. En ces temps-là, des troupeaux d'hommes érectifs vivent au sud de l'Afrique. Dans la période où on a, il y a une population qui a un homo érectifs. Donc, par rapport à l'évolution, il y a des races qui ont été singes. Alors, il y a des gens qui ont Homo erectus. Homo erectus, soit l'homme debout. Homo erectus, Oyo, il y a un site en Afrique. Site de l'Afrique. En les observant, en qui a réalisé que ces primates sont adaptés à creuser la terre. Quoi, mais dans la forme de la vie, non. Quand même, Banyamaoyo, il y a l'homme, parce que l'homme est un animal. L'homme est un animal, mais n'est pas le bateau à courant de bisous intelligents. Alors, dire, Banyamaoyo, non, alors les Bazali très bien pour la tour utiliser Bango pour la balle picolaka. Or, la sœur Abele. Wana Anki, Mwana ya, Roi Wana. Alors, Anki, en les anciens, Anki réalise que ces primates adoptés créent de la terre. Il est capitire donc une femelle. Anki a Sengiba Kanga. Primates moko ya mwasi bakangi koko na biswana moko ya mwasi qui est venu na histoire bakombe na ye na Congo ya Lissu
na histoire ba ko lobela ke non berceau ya humanité ezali na Afrique mais des jardins de mignon tandis que Adam na Eve ba dessina ba mo ba mindele tandis que berceau d'humanité ba ba Afrique alors ami ba les huit na nyoyo koko moko ya ba gorille ya ba race noire wana ba zuyé pona ba mimi na laboratoire ba meka kwa li modifier ADN na ye bazuka ka moko ya mwasi a lile chef de mission Felice en ce temps là les troupeaux émeritus vivent aussi de l'Afrique en les observant un qui réalise que ces primates sont adaptés à creuser la terre ils capturent donc une femelle Eryctis et l'amena à un lille chef de la mission. Celui-ci donne l'autorisation d'effectuer des expérimentations. Et le groupe médical d'Anunnaki manipule génétiquement un ovule de cette femelle, les greffant à l'ADN de Nosag, épouse de Anki. Bazui, moi si elle est très personnellement, bazui, je suis Aden Naye, bazui, comme on a dit, son primat, tu as un bon et un forme et un singe, mais bazui, au ville Naye, oui, ça va, comme moi, non, mais une ville de Savani. Eh, pour la moine, ceux qui subissent une fécondation, alors, bazui, c'est un Aden, il y a extraterrestre, il y a moi si. Après, et les greffants à l'ADN de Nusag épouse de Anki. C'est ainsi qu'il y a environ 200 000 ans, il y a 200 000 ans avant notre ère, naît un hybride mâle, stérile mâle, et fort physiquement et intelligent. Parce que Bamouba vivra Bamouba en Ébélé. Mais de temps en temps, on va s'en dire que les gens sont là, il y a 200 000 ans. Bazakaza, Kozela. Il y a 200 000 ans. Mais un hybride. Un hybride, hybride veut dire qu'il y a mélangé. Il y a des races différentes. Un hybride. Stérile. Aza stérile. Pourquoi vous avez dit? Mal. Est fort physiquement et intelligent. Les Anunnaki l'appellent Loulou. Bah, les Bengé n'a comme moi Loulou. Et en clore un millier qu'ils transportent en grande partie en Afrique. Si ma voix a l'air de Balibini, si ma race a bon goût, et belé, oh, bah, vous m'avez dit, on a en Afrique. Créé pour obéir et travailler. Créé pour obéir et travailler. Les loulous, sera cela, intègrent des concepts inexistants dans la nature. Celui de Dieu, en reconnaissant les capacités supérieures des Anunnaki. Bango, comme alors, il va quoi, mais les bavins, bah, quand c'est non, bah, Anunnaki, vous devez avoir un zambé, na bango. C'est comme un bois, comme on me sait, un ami, un bois, et puis que yonde moutouzan zambé naïe, yonde moutouzan maître naïe. Est-ce que ça clair? Tu veux expliquer? Créer pour obéir et travailler. Parce que maïe la bambou et la mouki, bambou sa ni que non, on a qui créé une zambé mouvoué. Zambé a sa la qui matière première. Bah, il y a la bise de ces extraterrestres, bah, il est modifié pour les comme matière finie. Alors, créer pour obéir et travailler, les loulous intègrent des concepts inexistants dans la nature. Avant concept en Zambé, il y a adoration, il y a religion dans la nature et ça l'a quitté. Non, par reconnaissance. Nous avons les basaliques qui ont été bisous. Et c'est un tout ça, les labango, bah, kilt. Bangonde banzambe la biso, ce sont des divinités. Pourquoi? Ba âge
Jaba Anuna qui fasse ma bise qui quoi apparaître comme éternité. Mais bazape ba éternel été, mais ne tant yo bango donc ba vivaka pour la bise toko qui même quoi les chiffres monté. Donc qui aimait ce sont comme des dieux. Alors bango ba bagandi bango ndire ba nzambe. Créé pour obéir les loulous. Intègre des concepts inexistants dans la nature, celui des dieux, en reconnaissant les capacités supérieures des Anunnaki, et celui de l'immortalité, tiré des faits qu'il ne pourrait jamais constater la mort des Anunnaki, puisque leur espérance de vie dépasse des milliers d'années terrestres. Excité et amusé par cette expérimentation, Sikoyo, ba Anunnaki ba ndoka ndoka le ba les sepeli na insepeles wana ba komi kwa les honneurs ba concédé sibé en l'île ordonne à ses médecins de réaliser de nouveaux êtres intelligents en mélangeant l'ADN de loulou à celui d'autres animaux. C'est ainsi qu'ils obtiennent les pannes, un être moitié loulou et moitié chèvre. Babé, non. Et c'est que les sources sont continuées expérience. Babé, c'est que les sources sont continuées Aden, il y a un être déjà te modifié, te béni, baba loulou. Si quoi, tout le monde, si quoi, clonage, naba nyama. C'est que si on a un nyama, babé, il y a un panne. Ba les pannes d'être en basali nini moitié moutou moitié nyama au moins alors nga na zana kokonanga et je rabete linga disolo que non na village na bango un jour a tenda ya toka mai na samba akuta ni na mobali moko azaki mbinga koto moutou mena se azaki ngombe Colangombe. Il y a beaucoup de gens qui ont été na maman na yepa à mon acquis. Qui n'ont pas mon acquis en bon an. Ah non. Barasoana, si le lot, Bazaza, Bale, comment on dirait ba des femmes, donc bah, comment on dirait ba les protecteurs ya nature. Donc, ba les limoaka, babimaka, ba fanda la mingi na bazamba. Moto sono akute na bango kwa lekanje ondira akute na lima mais eze lima te ezalinde ba être bazali ki modifié cheta ngalo basangisi ba rasa ba lulu na ba nyama mende bakoko na biso ba banaki ko benga bango ba milimo azamba alors to ko continuer na bungi na les panne ni biro ko botanga nga miso ngane na ukandela mona Nous avons dit que nous avons dit. Vous comprenez bien? Panne, bonsoir. Les pannes. Un être moitié loulou et moitié chèvre, auquel les Anunnaki enseignent à jouer de la flûte. Bah, Anunnaki, bah, la kissi, bah, quoi les bêtes à musique babino comme alors babino quoi les comme ça dit c'est une petite la sabamo comment qu'on jouait flûte l'une juma mêle centaure moitié loulou et moitié chevron auquel il enseigne l'usage de l'arc reste babino combien de flèches puis il crée toutes les créatures animales décrites dans la mythologie. Donc, il y a des gens dans la mythologie, côté lion, côté boye, on va créer. L'amusement se termine lorsque, donc, lorsque ces hybrides s'éteignent, ne vivant que 100 ans. Tangu
si ma ya santa bilo na ba wana nyoso yo ba créa ki ba kufi kufi. Mais à l'autre temps ba homo Eric tous misusu bazalaki. Donc que bazo zo raka ndé ba chantu ba zali ko ale fabriquer. Mais ndé ba homo Eric tous misusu nda ba sala bazalaki. Alors tant ba moi ki no si ma santa ba zali ko ale kufa ba bazo ba yé. Tout comme les loulous vivaient que 100 ans. Les médecins clonés en continu, mais en nombre insuffisant. Les médecins, les travaux traînés, qu'il fallait un loulou fertile, apte à procréer sans plus passer par les laboratoires. Et c'est lui qui se coïe, d'où aller ça, la caca, être moko, oyo, à quoi aller, botané, sans qu'il y ait d'où l'exemple de la pyramide, de la laboratoire, non. Et c'est lui qui a mal à moko, donc il y a un botané, caca déjà, caca baka, soit déjà préparé. Enlil n'était pas d'accord. Ndekonaïa Zalaki d'accord sur ces points. Il craignait une croissance incontrôlable de ces êtres qui auraient pu se rébeller, faisant ainsi échouer leur mission. Ndekona boy, mais en qui elle vient de signer le toit à l'insalango. Ndekona boy, Akobima Satan, Akobima rebelle. Qui rétorqua qu'avec ces nombres limites de loulous à sa disposition, la mission allait sûrement échouer. Alors, contre son gré, Enlil finit par approuver la fertilisation du loulou et non produisit la dame. C'est quoi, loulou, moko, pas se produire, babégué Adam. Adama, tout Adam, tiré de la poussière. L'homo sapiens. Soit, tout le monde l'homo sapiens, l'homme intelligent, tout l'homme sage. Les progéniteurs de l'homme actuel, créés à l'image et à l'égard des Anunnaki. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de qui? Des dieux, des Anunnaki. Ce sont eux les dieux. Est-ce que c'est clair? C'est vrai, là, ça peut apparaître fou. Il y a quoi démettre théorie ou quoi? C'est tout ça. Les hommes, ce sont des vérités qui se disent qu'il y a un kénin entre les 4000. Il y a un peu de quoi les. Alors? Les Anunnaki, l'homme synthèse, les progéniteurs de l'homme actuel. L'homme créé à l'image et à l'égal des Anunnaki. C'est un loulou amélioré, un fécond qui avait 300 ans, costaud et mesurait 2 mètres de haut. Na Israël, il a trouvé un squelette à 4 mètres, 2 mètres. Maintenant là. De l'état pacifique, cueilleur d'œufs et de végétaux, cet primate passa à l'état d'homme, le plus féroce des chasseurs terrestres. Cette idée que l'Adama puisse être dangereux divisait encore les Anunnaki. Enlil était soutenu par la famille royal et les militaires qui voulaient tout éliminer les Adama en faveur des loups plus contrôlables. En qui appuyé par les scientifiques considéraient que les Adama bien instruits étaient une ressource importante pour les Anunnaki et que dans le futur ce serait à ces êtres humains qu'il reviendrait de gouverner la terre. Les Adama vont donc succéder aux loulous dans l'Éden. Dans le jardin d'Éden,
Ozaki entreprise ya ba anunaki ba adamo ba kota na kasi ba sikisebe. Dans les dépôts, le travail des champs et une grande partie sera transportée au Zimbabwe, dans les mines d'or. Un problème se pose en Afrique lorsque Anki engrosse deux femelles humaines. Papa Anki a certains soussous, deux femelles yaba imeo yobangoba. Fabrika ki ou bango ba modifia ki. Oh non, papa, je m'a couché na ba filmé. Et c'est bien bien alors na moi corrélance. Mais dès nazo le bela bibliothèque. Yé a senti deux femelles humaines et que celles-ci mettent au monde des fils. Quand Aline la prend, il devient fou de rage. Tant qu'on a yoké en moi, s'il est qui? Pourquoi c'est lui, Bouzo Babou? C'était nos propres pour lui, pour autant que l'union sexuelle d'un homme avec un animal l'est aujourd'hui. Parce que bien sûr, vous avez eu un dire, mais vous avez eu un dire, bon, le roi de Bouzo Babou, tabac, coco, à Saint-Ezouzou, tabac. Alors, la même chose, c'est les marijuana. Dans la nani, bango, ba, en gros, nani, en lilo avec qui frère, il y a un qui a en gros, un qui a syndiqué. Il acquise les femelles humaines de les péchés originels. Vous salim soumou, il y a un bandeli. Babé n'a pas péché originel. Nous sommes dans une commune en jeunesse. Et ne souhaitant que ce problème surgisse à Eurydi, il ordonne de chasser les êtres humains de l'Éden. Alors, si Babé n'a pas battu, n'a pas été entreprise d'abord, il y a Bilanga, Naya, comment on va la banyama, na Eden. Dans la Bible, c'est le renvoi du paradis terrestre. En Afrique, en qui ne chasse personne. Pour avoir un paradis terrestre, en Afrique. En Afrique, en qui, c'est à qui ne chasse personne. Bien au contraire. Pour avoir un paradis terrestre, il enseigne des connaissances supérieures à certains humains. Même les anges Michael, tous, ce sont des Anunnaki. Bon, en Afrique, Afrique en qui ne chasse personne. Bien au contraire, il enseigne des connaissances supérieures à certains humains pour en faire les premiers rois. Les restes des hommes doivent creuser. En qui considéré comme un billet confère le titre de prêtre à des initiés. Comme un qui considéré comme Zambé a perçu titre à prêtre, n'a pas initié, initié à tant que si bango ba méthode. Et instaure la première religion. À sa la première religion. Sa règle, pour la religion, la règle, l'obéissance est totale. Oui, vous appelez l'obéir totalement à Dieu. Nous avons un Seigneur, bon, mais c'est l'obéissance, parce que c'est la règle religieuse. La menace ultime est la mort. Ceux qui ont désobéi. L'homme est donc contraint de servir ce Dieu impitoyable. Pire encore, ce concept du pouvoir absolu est adopté par les rois qui exploitent à leur tour leurs assujettis avec violence. Il y a environ 100 000 ans, les rois à nous-mêmes, rois à nous à Koufi, papa yaba, en qui n'a allé, papa n'a bango à Koufi, kuna n'a prédence à bango kuna. Allé n'a pas de temps à prendre s'il veut conserver le trône.
les Anunnaki sont sans scrupules et les prétendants ne manquent pas. Il déclare donc la fin de la mission. Sa priorité est désormais que tous retournent sur Nibiru pour défendre leur trône. Tous les Anunnaki basalaki awa basonga dikolo. Anki ne sachant pas quoi faire de tout ce temps abandonné, les donne en cadeau aux hommes les plus fidèles. C'est l'âge d'or. Il y a en abondance à cette époque. Il y a environ 50 000 ans. Nous sommes tous à 2000 ans. Avant notre ère, Anki et sa cour quittent le Zimbabwe pour Eridu et se déplacent à bord de leur machine volante et sont suivis sur terre par les rois les plus fidèles. On est au qui combien dans la Bible 144 000 élus. Et leur peuple, c'est la première grande migration humaine allant de l'Afrique au Moyen-Orient, un remerciement en qui donne à toute fille du roi l'un de ses fils comme époux et de ses unions naissent de mortels exceptionnels, des dieux zéros. Cependant, à Eru, de cette concentration des Anunnaki et des dieux héros, tous guerriers, risquant de se transformer en conflit. Anki envoie les dieux héros conquérir la terre entière, déjà occupée par les descendants des renvoyés du paradis terrestre. Les dieux héros partent donc et servent. Au moins, il y a un Kayen a Kekuna, Rono Bakubumanga, Izaki Nabadi, Rouyu, Babadeki Walisana, Rafaj, Kuna. Donc, il y a un mot à l'homme. Alors, Anki envoie les dieux héros conquérir la terre entière déjà occupée par les descendants des renvoyés du paradis terrestre qui étaient les dieux. Les dieux héros partent donc et certains vont occuper l'Égypte et la Palestine. Et d'autres envahissent les continents européens et éliminent les hommes des Néandertals. Ils ont dit qu'ils être beaucoup plus nombreux, ils ont dit qu'ils n'ont pas Néandertaliens. D'autres, donc, ils ont dit qu'ils ont éliminé la race et qu'ils ont dit qu'ils ont D'autres s'établissent en Malte et en Sardaigne en faisant des cités écoles pour les initiés. D'autres s'installent sur l'état air jadis émergent de l'océan Atlantique et fondent la puissance Atlantide. Ils allaient dans le continent Mokoba Benakan Atlantide et Zinda, alors on va s'installer Péwana, ils vont s'installer en Égypte. Et d'autres accords arrivent jusqu'à Chine et en Inde. Les dieux zéros équipent leur territoire de base pour le lancement des missiles, des gigantesques constructions en pierre où garder leurs armes nucléaires et d'énormes phares pyramidaux visibles du cosmos. C'est ainsi qu'apparaissent simultanément en différentes parties du monde les mêmes types de constructions et de cultures. À la mort des zéros, à la mort des zéros, leur trône passe aux descendants engendrés avec les humains, formant la première postérité royale. Il y a environ 12 000 ans, la flotte spatiale de Enlil, devenu roi de Nibiru, revient sur Terre pour éliminer ces êtres humains qu'il avait contre son gré autorisé à avoir les jours. Si il y a 12 000 ans, Enlil a déjà commis roi, c'est quoi, a quitté ce qu'il y a, pour la boma, ba robo nyoso, ba roba, modifia ki, pour la ba, tigala kaka ba, ba nanyo yo, ba,
bamaka kundenge basalaki wana ne bandele bana ni primates. En qui tente de communiquer avec son frère, la réponse est un rayon destructeur qui s'abat entre le Maroc et l'Espagne. Dans un grondement terrifiant, la terre qu'il donc est guerre bandit, et c'est là qui Afrique est quand même en Europe, tellement que guerre bimi makasi entre Maroc na Espagne, parce que zaki na ngoya kwale kanga mezaki na mai na kati te kanga maki et panzani parce que ba utiliser ki ba bombe moko supérieure, parce que kotoyo anki alingi te ba détruire peuple ou mbango ba créanki kote boye ba ningi ba détruire guerre s'est éclaté planète et commune. Donc, le continent est comme il compassouka. Mais si c'est comme il peut zindanasse à maï. Dans un grondement terrifiant, la terre qui liait l'Afrique à l'Europe se désintègre dans l'air. Et lorsque l'océan Atlantique s'engouffre comme une furie par le détroit de Gibraltar, à peine de créer, telle une énorme canonnade d'eau, les flots pénètrent dans la Méditerranée, détruisant les écoles d'initiation à Malte, l'école mystique est détruite à Malte, et en Sardaigne, ils submergent l'Italie, la sépare de la Tunisie. Ils inondent la plaine grecque, ils créent des îles, puis pénètrent entre la Bulgarie et la Turquie pour former la mer Noire. Enfin, des vagues hautes de 100 mètres se dirigent vers Eridu et balayant tout sur leur passage, qualifié de déluge universel dans la Bible. Ces désastres ne touchent en réalité que les hommes allant de la Méditerranée à la Mésopotamie. En qui avertit le roi Zisoudra, les noms bibliques. En qui l'obéit le roi Zisoudra. Zisoudra, il y a un nom dans la Bible. Qui construit une grande barque où il se réfugie avec sa famille et ses animaux. D'autres survivants provenant des terres désormais submergées par la mer Noire vont s'installer non loin des rides où ils fondent une constituant les peuples des Sumériens. Mais ne savent pas qu'ils sont près d'une base Anunnaki. Allez aperçoit ces quelques survivants humains, mais quand un qui se jette à ses pieds, il triomphe et se satisfait de la situation. Cependant, il n'est pas revenu dans les systèmes solaires uniquement pour punir Anki et les humains. Il doit évacuer Mars, devenir inutile. Il repart donc. Alors, tant que Nani Anki a fou comme une. Comment m'a soussouté? Non, Mboulayana, Guerwana et Katani, c'est bon que non? A cassé les bimis, c'est bon, il y a alliance. Donc, il y a Bayokani. Alors, bon, comme ça, vous voyez, on a quoi les bimis, ce que la sauce soit à terre, la Kéina, la bimis, un peuple, la bimis, on a planète Mars, pour la bas, qu'elle est la planète, c'est mon sous, parce que planète Mars est comme infertile. Aline aperçoit ces quelques survivants, mais quand un cul se jette à ses pieds, il triomphe et se satisfait de la situation. Cependant, il n'est pas revenu dans le système solaire uniquement pour punir un qui est les humains. Il doit évacuer Mars, devenir inutile. Il repart donc avec son escorte. Entre-temps, l'Arche s'est enlissée dans l'actuelle Arménie. L'Arche d'Alliance, c'est l'Arche de Noé. Et Télémakina, Arménie actuelle. Noé et sa famille sortent alors et se regroupent dans les premiers agglomérats urbains. Ils cultivent la terre, ils élèvent des animaux et vivent en harmonie avec la nature. Oubliant leurs origines extraterrestres, ils organisent une société
t'es sans hiérarchie et sans discrimination sexuelle, avec comme règle les cadeaux pour entreprendre des échanges. En Mésopotamie, les Sumériens découvrent leur voisin Anunnaki. Alors, les adore comme des dieux. Les Anunnaki et ses flattes d'être considérés comme des divinités, sa mise à exposer leur savoir à ces petits hommes à la tête noire. Parce qu'il reste noir. Parce que bah on met tout d'abord là qui couvre à peine on dirait ma patama là qui met tout minéne. D'accord.